Bonjour à tous, bonjour, merci d'être là. Alors tout d'abord je voulais dire un petit mot sur le World Forum qui accueille cette année une programmation sur le design. Et je tiens vraiment à remercier le World Forum de cette, ce pas de côté qui n'est pas tout à fait évident dans le cadre de l'île Métropole 2020, capitale mondiale du design. Alors nous allons parler de design management. Que je ne vais évidemment pas définir, puisque c'est vous-même qui allez, au travers de vos expériences, essayer de nous donner une idée de comment le design management est pratiqué en entreprise, donc chez Decathlon et chez Pocheco. À commencer par Charles. Charles Cambianica, tu es designer tu es designer. Euh, tu as été formé à l'ISD de Valenciennes, qui euh, aujourd'hui s'appelle euh, Rubica. Tu as été formé euh, plus particulièrement en automotive et en design produit. Tu es parti euh, à Los Angeles. Tu, as tu es parti chez BMW, pardon. Oui. Tu as travaillé à la fois en entreprise, mais aussi chez BMW pour des prestations extérieures, pour conseiller les entreprises dans leur euh, transformation. Euh, notamment des entreprises comme Osram, HP, euh, Siemens. Tu vas pouvoir nous en dire euh, un petit mot. Euh, tu as ensuite rejoint Decathlon, euh, notamment la marque Géonaute, c'est-à-dire tous les produits électroniques de Decathlon. Et quand tu as rejoint euh, Géonaute, petit à petit, tu as essayé de réintroduire l'électronique dans l'ensemble des produits sport pour rejoindre la, la petite cellule industrie de décathlon. Peut-être tu peux en dire un, un rapide mot et je, et je présenterai les autres intervenants. Bonjour Caroline. Euh, oui, ma première mission chez Decathlon, euh, ça a été de rejoindre Géonautes, qui était une, une marque hein, une marque de, de Decathlon, euh, pour l'accompagner la, la transformation en ce qu'on appelle chez nous un univers industriel, c'est-à-dire un bureau d'études euh, qui fournit des produits électroniques pour l'ensemble des marques de Decathlon. Euh, donc, ça a été une transformation sur la façon de concevoir le, le design à cet endroit-là, de passer d'une identité de marque à de la prestation de design pour l'ensemble des business units de Decathlon qui ont besoin de produits électroniques. Ça, c'est ma première mission. Et ça, c'était en quelle année Ça, c'était début 2015, quand je suis arrivé dans l'entreprise. D'accord, très bien. Alors, Philippe Daguillon, tu as aussi été formé à l'ISD de Valenciennes, donc actuellement en Rubica, mais... Ce qui est un petit peu singulier chez toi, c'est que tu étais formé à la fois en France, à Valenciennes, mais aussi à Pune. Et aujourd'hui, tu partages ton temps justement entre euh, Décathlon euh, France et Pune et Bangalore, en Inde. Peut-être tu peux aussi en dire un petit mot et puis ton passage par, euh, par euh, San Francisco. Bonjour. Euh, effectivement, donc euh, mon parcours est frais et est effectivement jalonné de l'Inde. Je suis un peu passionné par ce pays, je le découvre. Et l'accent que j'y mettrai particulièrement, c'est autour du, de l'empathie qu'il faut pour dessiner quand on n'est pas dans sa propre culture. Et c'est ce qui, finalement, moi, enrichit beaucoup, je pense, mon parcours, c'est de ne pas dessiner uniquement pour moi-même, mais au, au, en faisant face à une culture qui n'est pas dans mon sang à la base. Finalement, j'apprends à regarder les choses d'une manière un peu différen différente. Donc c'est pour ça que... Ben voilà que j'aime m'exporter et faire ce genre de démarche. Et euh, voilà, donc j'ai travaillé un peu aux États-Unis avant de rentrer chez Decathlon. Et maintenant, ça fait neuf ans que je travaille chez Decathlon. À, au début en France, à Chamonix, au plus proche des utilisateurs de montagne, et maintenant en Inde sur le cricket, mais aussi en innovation pour le groupe globalement. Donc sur la marque un hein, quand tu es arrivé en France. Ouais, en France, c'était pour Keshua Et mm. aujourd'hui, une marque qui s'appelle FLX, qui est une marque indienne. Et, en, et tout ça, je le fais en partenariat avec Charles. Mais donc, c'est sur une, une entité innovation et identité de marque qui est à Lille. Et moi, j'alterne bien entre les deux en permanence. D'accord, très étant, bien. Euh, à distance, mais sans problème. OK. Alors, notre troisième invité aujourd'hui, Emmanuel Druon. Donc, tu diriges l'entreprise Pocheco, qui est basée à Forêt-sur-Marc. Et... Pour aller un petit peu vite, tu fabriques des enveloppes. On va raconter aussi tout le reste après. Peut-être on peut regarder le film pour avoir une petite idée de, de l'entreprise. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit qui va révolutionner votre manière d'échanger des informations. C'est un produit léger, puissant, élégant. Un produit que vous pouvez tenir d'une seule main, aux fonctionnalités simples et intuitives. Échanger des documents, dossiers. Photos et vidéos en toute confidentialité, sans que le poids ni le format de vos données ne soient un frein, n'a jamais été aussi simple. Sans aucune connexion à aucun réseau, sans risque de virus ni de panne. Nous appelons ce produit Enveloppe. Pour celui qui l'utilise, uploader des documents et les verrouiller deviennent un jeu d'enfant. Un simple test optique permet de valider l'intégrité des données. Avant de les sceller littéralement, grâce au dispositif fermeture, qui sécurise les données, ne les rendant visibles qu'aux destinataires. La confidentialité du transfert de données par enveloppe est assurée grâce à l'opacité naturelle de la couche de cellulose et de carbone constituant sa surface. Le nom de ce matériau innovant papier. Pour le destinataire, l'information devient accessible grâce à un système de détection optique personnel qui lui permet de s'identifier. Plus besoin de mot de passe, ni de code d'accès. Ce dispositif intuitif est possible grâce à l'écran translucide vous offrant une vue imprenable sur le futur, nous l'avons appelé fenêtre. Et l'échange de gros fichiers, de formats insolites, de réalisations en trois dimensions deviennent possibles grâce à la capacité modulable de cette technologie capable de contenir des gigaoctets d'informations. Mais Enveloppe ne doit pas sa puissance à sa taille. Portable et compacte, vous pourrez la glisser dans votre poche. Pesant seulement quelques grammes, Enveloppe est pourtant résistante. Faites-la tomber. Marchez dessus. Vous verrez. Vous ne la briserez pas. Sans batterie, sans accessoires et sans fil, Enveloppe jouit d'une autonomie allant jusqu'à plusieurs années. Nous avons une application agréée pour la récupération et la revalorisation de ses composants. Malgré son obsolescence déprogrammée. D'un simple geste, vous pouvez déplacer Enveloppe à Corbeil. Enveloppe est 100% recyclable et ne contient aucun produit nocif. Rejoignez les millions de personnes déjà converties à Enveloppe qui travaillent, s'amusent et vivent autrement. Bienvenue dans l'ère d'Enveloppe. Bienvenue dans l'avenir. Alors Emmanuel, tu as repris l'entreprise en quelle année euh, Je suis entrée chez Pocheco en 1997. D'accord. Et, et sur quelle base de constat as-tu commencé à réfléchir à ton concept d'économie C'est-à-dire comment tu allais pouvoir, à partir de ces changements de société, opérer toi-même des changements en étant, euh, sans être en contradiction avec les attentes d'une entreprise, c'est-à-dire d'être compétitive, etc. Les attentes d'une entreprise, on peut les questionner aujourd'hui. Et en 1997 déjà, il y avait des rapports du groupement intergouvernemental des études sur le climat qui parlaient assez clairement d'une feuille de route. Les scientifiques réunis partout dans le monde et qui nous disent ce que sont les limites du monde vivant, du monde connu, du monde fini. Et donc, euh, tout le travail avec mes collègues a consisté à essayer d'ajuster la production, euh, la, le, 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 le développement, euh, la recherche et l'innovation en tenant prioritairement compte de la santé humaine et de son respect, et euh, de l'écologie et de son respect. Et c'est en procédant de cette manière qu'on a trouvé qu'il était plus économique de travailler de façon écologique. Et c'est ce qu'on a appelé l'économie. Donc je vais prendre peut-être un exemple. Euh, la première chose qu'on pense quand on voit une enveloppe en papier, c'est que ça consomme du papier, donc ça provient de la forêt. Eh bien, on peut choisir une forêt qui soit gérée de manière réellement durable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un arbre est coupé, dix arbres sont replantés dans le respect de la biodiversité des espèces, en respectant aussi la couverture du sol forestier et donc la chimie des sols. Euh, et on peut faire un travail euh, autour de cette matière première qui est vivante et euh, renouvelable à l'échelle du temps humain. Donc euh, la replantation euh, massive depuis maintenant presque 25 ans, ça nous a amené à certes couper 250 000 arbres, mais on en a replanté 2 500 000. Donc en fait, in fine... Le bilan carbone de, euh, de l'équipe et du travail de Pocheco est un bilan qui est négatif. On emprisonne 36 000 tonnes de CO2 chaque année. Euh, donc on en emprisonne plus que ce qu'on relâche. Donc ça c'est fondamental parce qu'il euh, me semble que pour inventer l'industrie du 21e siècle, il faut se préoccuper euh, de ce monde fini et essayer, euh, dans chacun de nos actes, dans chacune de nos décisions, euh, d'établir un rapport euh, juste avec le vivant. Et pour ça, il y a l'analyse du cycle de vie, qui est une des clés qu'on utilise chez Pocheco. L'analyse du cycle de vie sur tous les produits qu'on utilise. Alors la liste serait très longue, je peux en citer deux. Euh, pour fabriquer les enveloppes, je viens de parler du papier. On pourrait parler ensuite... De l'encre qu'on utilise. Les encres qu'on utilisait en 1997 étaient des encres, je dirais, conventionnelles, qui étaient à base de solvant. Et c'était des belles encres, hein. il y a des jolies couleurs sur nos enveloppes. Mais en termes euh, d'effets sur la santé humaine, euh, c'était euh, délétère, et en termes d'effet sur l'environnement, c'était négatif. Donc, on a réfléchi, on a cherché, et on a trouvé des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, et qui, en une année de temps, donc euh, au tout début de 99, on avait complètement changé nos, nos encres. Et comme ces encres sont plus sobres, et moins chimiques, on a pu faire les mélanges nous-mêmes. Donc, on a aussi augmenté les volumes qu'on recevait pour pouvoir produire nous-mêmes la couleur finale. Et ce travail-là sur nous-mêmes nous a permis de retirer, à l'époque, il fallait porter des masques contre les solvants, puis des gants, parce qu'on utilisait des produits comme de l'essence F ou de l'acétone. Donc, c'est des produits vraiment toxiques pour la santé humaine et pour l'écologie. Et on a fait en sorte de, de changer tout ça. Donc maintenant, on nettoie nos machines euh, à l'eau de pluie, parce qu'on récupère l'eau de pluie sur la toiture, et avec du savon de Marseille. De sorte qu'on a pu baisser l'impact sur la santé humaine, baisser l'impact sur l'écologie, et réduire les coûts. Parce que très bizarrement, au début, la formule était plus chère, mais comme on a pris des volumes plus importants, qu'on a fait les mélanges nous-mêmes, et qu'il n'y a pas de, de déchets toxiques qui soient engagés par cette production, en réalité, on a baissé les coûts financiers de 25 Alors justement, comment s'est opérée cette transformation J'imagine que ça fait 25 ans que tu y travailles. Comment les salariés t'ont vu arriver dans l'entreprise pour justement amorcer une nouvelle idéologie, une nouvelle manière de procéder, des diagnostics Comment vous vous êtes organisé concrètement pour pouvoir mettre en place cette transformation bah, je dirais, euh, rien de brutal et uniquement un travail collectif et progressif. Euh, les premières démarches, moi je. Moi, je en gros, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Et donc en 97, pas plus qu'aujourd'hui. Donc je me suis appuyé sur le savoir-faire des gens avec lesquels j'étais en contact dans l'usine. Et par exemple, les encres, c'est mon collègue Franck qui avait déjà produit des recherches à cette époque-là. Simplement, ce n'était pas dans l'idée euh, de mes prédécesseurs de se préoccuper de ces questions-là en priorité. Donc moi, quand je l'ai interrogé, euh, il était un peu réticent, mais en fait, euh, on s'est mis au boulot tous les deux, euh, et puis ensuite, l'équipe euh, progressivement s'est groupée autour de nous, et on a réussi à quelques-uns à faire un test dans une première machine, et puis ça s'est généralisé parce que c'était simplement plus efficace et moins contraignant pour mes collègues. Donc je dirais pour répondre à la question que c'est d'abord une méthode empirique. On a considéré qu'en tant que salarié de l'entreprise, on était directement concerné, responsable des effets de nos actes sur l'environnement. Ça veut dire que c'est d'ailleurs pour ça que je considère que ce n'est pas aujourd'hui le, 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 la question de, 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 de se réapproprier. Euh, de réintroduire le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre c'est quelque chose qui est à la portée de beaucoup de salariés dans beaucoup d'entreprises. Parce qu'en fait ce n'est pas des décisions euh, en haut lieu qui vont se prendre et qui vont tout changer ça va jouer mais ce c'est pas ça qui fait le changement du quotidien. Les gens dans l'entreprise sont des citoyens qui perdent pas leur citoyenneté en franchissant la porte de l'entreprise et donc ils se sentent directement concernés. Par la question environnementale, la question de la santé humaine. Beaucoup de gens ont envie d'avoir du travail, mais je ne connais pas grand monde qui a réellement envie de détruire. Tu n'as pas rencontré de résistance aucune. Aucune. J'ai rencontré des gens qui avaient envie de s'engager, mmh. qui réfléchissaient aux problèmes et qui cherchaient des solutions. Euh, si on se départit, alors nous on a un, degré de, on a un système très plat en, en hiérarchie. Il y a un, un comité de pilotage de quatre personnes et le reste de l'équipe. Et ça fait 25 ans que ça dure. Et en réalité, ça, ça, ça permet en fait de privilégier l'autonomie euh, et la capacité euh, d'invention euh, de chaque personne mais il y a aussi des gens qui ont le droit de ne pas avoir de capacité d'invention dans l'équipe et qui quand même participent euh, au projet de l'équipe. Voilà, donc c'est un ensemble qui se construit avec le temps euh, et avec la confiance. Très bien, donc tu parles d'une certaine manière d'un aplatissement de la hiérarchie dans la manière de travailler. C'est aussi une expression que, que tu emploies, Charles, quand tu parles de la restructuration managériale de l'équipe design de Decathlon. Tu as employé aussi ce terme d'aplatissement. Est-ce euh, que tu peux en dire un, un petit mot Comment ça s'est opéré euh, au sein de Decathlon, cette restructuration de la stratégie managériale Ouais. alors il ne s'agit pas juste de l'équipe design de Decathlon, hein, c'est l'ensemble de l'entreprise euh, qui a transformé son système managérial. Euh, ça s'est passé, euh, enfin ça a commencé en tout cas à peu près il y a 5 ans quand moi je suis arrivé dans l'entreprise. Euh, et euh, l'idée c'est de libérer les énergies. Euh, Decathlon c'est une entreprise euh, où on a toujours favorisé euh, la responsabilité. Euh, depuis 40 ans ça faisait partie des, des valeurs euh, fondatrices qui étaient portées par euh, Michel Leclerc. Euh, mais Decathlon c'est une entreprise qui est devenue aussi une boîte euh, gigantesque. Il y a 100 000 collaborateurs aujourd'hui. Et donc année après année, il y a une structure très pyramidale qui s'était installée pour prendre des décisions, parce que s'il y a responsabilités sur le business qui sont énormes, et on est arrivé à une situation où on se dit mais en fait, il y a des gens qui sont vraiment au contact de la responsabilité sur le terrain, et la décision elle est prise très très loin d'eux. Et parfois, quand on est loin, on n'a pas la visibilité sur sur ce qui se passe effectivement sur le terrain. Et donc ce qui a été engagé il y a cinq ans, c'est la transformation de ça en disant, on appelle ça la subsidiarité chez nous. C'est on prend la décision au plus proche de la conséquence. Et qui l'a initié Comment ça a été euh, Comment à un moment donné, l'entreprise s'est dit on va, on va repenser notre, euh, notre manière de fonctionner, notre management Il y a eu un déclencheur Comment ça s'est opéré Je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations et je pense que nos entreprises se sont rapprochées à un moment même avec des, des phases d'observation et d'écoute qui ont fait que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, euh, il paraît évident que c'est un, un souhait de, de faire évoluer la relation à l'entreprise. Et donc, dans cette relation, je pense qu'une des premières choses qui a été faite suite à des phases d'inspiration en rencontre de nombreuses entreprises qui ont pu prendre ce genre de virage, euh, ça a été d'écrire une vision collective. Et euh, une vision collective chez Decathlon, c'était 80 000 personnes à cette époque-là qui se sont finalement exprimés sur comment ils voyaient le monde de demain, Alors en tout cas comment ils voulaient vivre le travail aussi. Et, euh, et finalement, euh, on parlait d'économie, d'écologie, etc. Je pense que chaque individu qui rentre dans une entreprise vient, ne doit pas venir avec un masque et finalement vient comme il est. Et les changements qui ont été opérés suite à cette vision, qui sont aussi bien managériaux que que, finalement, la, la façon d'être, le, le savoir-être, etc. Ils sont une conséquence de qui on est dans la vie, et finalement, de libérer l'énergie, c'était aussi libérer les, les strates de management pour arriver à être soi-même. Et donc ça, ça fait vraiment partie de, de ce changement, ce virage, de créer une vision collective où tout le monde remontait les mêmes choses, finalement. Et euh, dans mon quotidien, j'ai envie de respecter des choses. Le, les gens, l'environnement, etc. Et donc ce sont devenus des vraies priorités dans la structure de l'entreprise et dans les stratégies d'entreprise pour Decathlon en fait. Donc c'est finalement une conséquence d'un mouvement collectif. Et du coup comment vous organisez l'équipe design Comment c'est structuré euh, Alors en fait les, les, les designers chez Decathlon ils sont attachés à chacune de nos business units de sport. Donc on a 85 équipes qui adresse des, des offres de produits pour 85 pratiques sportives différentes. Et donc il y a des designers dans chacune de ces équipes. Et après il y a un management de la créativité transversale qui est absolument pas hiérarchique. Donc le principe de fonctionnement, c'est l'inspiration. C'est un des rôles de notre équipe avec Philippe, c'est de travailler avec l'ensemble de ces créatifs. Euh, mais nous on n'a pas euh, le pouvoir de leur dire euh, voilà toi tu vas travailler comme ça maintenant parce qu'on te dit de travailler comme ça euh, c'est pas du tout le, le, notre sujet notre sujet c'est de construire des choses avec eux de les faire euh, se croiser aussi des gens qui travaillent dans des business units qui peuvent être euh, géographiquement éloignés ou qui font des choses dans des domaines d'activité très différents on les rassemble autour de projets créatifs, on les fait travailler ensemble et l'idée c'est de l'amener de l'inspiration et dans l'inspiration les meilleures idées c'est celles qui vont fertiliser puis qui vont grandir dont les gens vont s'approprier la responsabilité de faire poursuivre l'idée. Très bien, mais du coup, comment tu, tu disais hier que tu envisageais euh, l'équipe avec un leader, un coach, euh, euh, des références techniques métiers Est-ce que tu peux un tout petit peu plus détailler, admettons, tu pars d'une des, ce que tu n'appelles plus des marques, hein, mais des business units, comment ça se déploie et comment euh, un nouveau produit va arriver dans, le, dans la réflexion de cette business unit oui, alors c'est vrai que historiquement, on avait des patrons de design. Donc un patron de design, ça avait euh, plein de rôles différents. Euh, ça devait être euh, à la fois euh, euh, l'inspiration, ça devait être aussi le management, ça devait être aussi la compétence technique. Et en fait, chez Decathlon, on a euh, divisé euh, le rôle du patron en trois rôles. Euh, Qu'on a appelé euh, le leader, le référent et le coach. Donc, le leader a un rôle de, de porteur de projet, d'énergie dans le projet. Le référent euh, a un rôle de référent technique. Et le coach a un rôle de développement personnel et d'accompagnement euh, de la carrière d'une personne dans l'entreprise. Et donc, en fait, on a euh, proposé aux gens euh, de rejoindre des projets qui étaient portés par des leaders de choisir les référents techniques qui étaient capables de, leur, de les accompagner sur les points techniques qu'ils voulaient travailler et de choisir des gens qui correspondaient à leur philosophie en termes de développement personnel pour le coach. Donc on a, on a découpé en fait ces choses-là pour que les gens choisissent la façon dont ils ont envie d'être animés. C'est-à-dire en tant que designer, vous pouvez passer d'une business unit à une autre et donc travailler sur des sports qui sont assez variés au sein de, de l'entreprise. Ou est-ce qu'on est attaché quand même à une business unit euh, alors, ça, c'est euh, pas forcément quelque chose qui a changé. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, on, on choisit un projet, donc on peut être attaché à ce projet et y passer plusieurs années. Il y a des designers qui travaillent euh, depuis 5 euh, ou 6 ans dans le, dans le même département. Euh, il y a des gens euh, comme Philippe et moi qui peuvent choisir d'avoir plutôt plusieurs projets avec des, des parties de notre temps. Euh, ça, c'est euh, le choix des, des, des designers euh, et des, des gens en général chez Decathlon sur quel projet on a envie de travailler. Après, il faut qu'il y ait une compatibilité et puis un besoin mutuel entre la, le, le département et la personne. Mais euh, je dirais que ça, c'est pas ce qui a le plus changé. Ce qui a le plus changé, c'est euh, la façon euh, euh, de grandir dans son métier et d'être animé sur le projet. Mmh, très bien. Ben justement pour grandir, c'est vous qui avez créé ensemble avec euh, Sébastien Aquet l'Advanced Design. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Comment c'est né cette idée de, de créer cette, euh, cette petite cellule particulière Je pense que c'est né d'une envie de faire monter les, la compétence fortement sur un métier du design, un métier ultra créatif qui euh, peut tendance à... La compétence peut décroître s'il est trop cloisonné. Et à un moment, on s'est retrouvé dans une structure très cloisonnée chez Decathlon. Et euh, de faire péter un peu les, les différentes cloisons, on a vu une opportunité de créer une cellule d'inspiration. En fait, notre rôle, c'est d'inspirer c'est de créer des phares. Euh, les phares, euh, dans, dans le sens de. On transforme des visions, des stratégies en produits, en services, mais finalement qui n'ont pas une destination qui est le marché, mais plutôt une destination interne qui est pour inspirer. Si je peux donner un exemple, ce serait le concept car dans l'automobile. En fait, c'est exactement le parallèle qu'on fait avec des concepts produits. Donc notre rôle, c'est plutôt de fédérer autour d'idées en les concrétisant, en les incarnant et en les mettant en, euh, en valeur dans les équipes et en faisant travailler une multitude d'équipes ensemble sur ces projets. Et pas forcément des gens qui vont travailler en, finalement sur le produit qui va découler de, cette, de, ce, de ce driver. En fait. Donc c'est plutôt une forme de fédération pour euh, faire monter la compétence. Encore plus transversale. Complètement. Voilà. Et donc comment vous l'avez initiée et comment on crée au sein de Decathlon une petite entité transversale eh ben, c'est assez finalement, c'est assez simple. Il faut avoir une idée, il oui. faut aller la présenter, et de euh, qui euh, alors. Aujourd'hui, c'est des banques internes dans lesquelles, à une époque, ça a été l'innovation. On avait récupéré l'argent de l'ensemble des pubs télé qu'on faisait en France. On avait décidé de diminuer la pub télé. Et finalement, ça créait un budget. Donc, ça faisait une banque. Et finalement, il y a une banque d'innovation. Et donc, nous, notre projet a été porté. Il a plu et finalement, on a pu le déployer et faire qu'aujourd'hui, c'est devenu une stratégie d'entreprise que d'incarner de, des visions, des stratégies de cette manière-là. Très bien. Vous avez combien de designers chez Decathlon euh, oui. Environ 300. 300. Et combien sur notre territoire à peu près euh, 260. Euh, oui. la, la grande Merci. majorité des créatifs chez Decathlon euh, est en France. Euh, on a un studio de design aussi euh, en, en Chine euh, qui est assez important, mais je ne saurais pas dire exactement aujourd'hui combien il représente. Euh si on parle du territoire, les Hauts-de-France, je pense que c'est 150. Sur la France, on est divisé en, en différentes euh, cellules. Finalement, c'est assez simple, l'organisation est très logique. C'est Finalement, on est toujours et, euh, au plus proche des sports. Donc C'est-à-dire que si le, le berceau du surf, c'est le sud-ouest, on a un bureau dans le sud-ouest. Euh, si on fait des produits de montagne, on a des produits à Chamon une, un bureau d'études à Chamonix. Le vélo est à Lille. Et pourquoi je travaille en Inde C'est parce que c'est le, le sport national là-bas. Et puis ben alors, une... que, combien de designers On est quatre. On est quatre, d'accord. Ouais, on est quatre sur, est le, une sur le sport national euh, Voilà, exactement. De exactement. C'est ça. Mm. Euh, une des actions de Advanced Design, c'est le Design Camp. On va regarder un petit film rapidement pour que vous puissiez le présenter. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est ce que toi tu décris, Charles, comme le design camp, un concentré de jus de cerveau. Qu'est-ce que tu veux dire Ouais, en fait, le principe du design camp, euh, c'est de revivre un peu euh, ce qui se passe dans une école de design. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai euh, imaginé au départ. Euh, dans une école de design, les projets euh, sont collectifs euh, et puis euh, on a euh, des projets à rendre sur des temps courts. Et ce qui se passe, c'est que les étudiants qui travaillent ensemble, à bah, un moment donné, ils s'installent tous dans un appart et ils vont euh, passer en mode créatif 24-24 pour livrer leur projet. Euh, nous, c'est euh, un truc dont on a gardé un souvenir ému. Moi, j'ai adoré ces années-là d'école. Et quand on est arrivé chez T4, euh, on s'est dit, mais en fait, on a envie de revivre ces moments-là. Comment est-ce qu'on peut recréer ces moments-là et donc euh, l'idée, ça a été de réfléchir un peu au profil aussi de gens qu'on a envie de se faire croiser sur les camps. Et euh, notre façon de le voir, c'était de dire, euh, on va aller chercher des jeunes, des nouveaux qui viennent de rentrer dans l'entreprise. On va aller chercher des seniors, des gens qui ont beaucoup d'expérience. Euh, et puis surtout, on va aller chercher des gens euh, dans des départements qui se croisent jamais parce qu'ils font des choses qui sont assez éloignées. Euh, et donc on va faire se rencontrer tous ces gens-là autour d'un projet créatif. Euh, d'une semaine et donc euh, on essaie aussi de les, de les faire dans des lieux qui soient euh, inspirants euh, pour qu'on pour qu crée un peu la, la magie du moment et ce qui est important pour nous c'est que quand il y a cette intensité là de, de travail euh, forcément on fait des trucs un peu magiques et ce qu'on voulait c'est que les gens à la fin de la semaine euh, ils repartent avec fierté euh, de ce qu'ils avaient fait euh, parce que quand les gens repartent avec quelque chose dont ils sont fiers ils vont le, naturellement le partager ils vont donner aux autres euh, envie de le vivre aussi. Euh, et ça, ça a très bien fonctionné parce qu'en fait, euh, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de business units qui nous ont dit, mais nous aussi, on a envie de faire ça. Et donc euh, finalement, euh, sur euh, à peine deux ans, on a fait quasiment se, se croiser l'ensemble de des designers de décathlons. Euh, et ça, c'est super important parce que d'un coup, ça crée une communauté. En fait, c'est un moyen aussi de décloisonner euh, à la fois par marque et, et créer une, un collectif euh, travailler en collaboratif. Et, et alors justement, Emmanuel, euh, comment ça se passe chez Pocheco Est-ce que vous avez aussi des, inventé des, des campements, des moments un peu en dehors de, de l'entreprise qui permettent comme ça de, de fédérer l'équipe, de créer du collectif, de donner envie d'être ensemble Merci. <coughs> C'est une structure très différente de celle que décrivent mes deux co-intervenants. Nous sommes 63 personnes et nous travaillons principalement dans un contexte où le marché est un marché en effondrement, puisque l'enveloppe disparaît progressivement au profit du numérique, et que donc il a fallu, pour une question de survie de l'entreprise, inventer des nouveaux métiers. Et donc on a euh, une euh, confrontation euh, permanente à une réalité d'effondrement. Et je pense que c'est un paramètre essentiel euh, dans la manière de percevoir euh, le monde au travers du travail qu'on fait. C'est-à-dire que euh, confronté à l'effondrement euh, de notre marché, euh, du produit pour lequel on a développé euh, un savoir-faire depuis 1928, euh, c'est euh, nécessairement euh, intégrer dans le quotidien et dans le long terme aussi euh, l'idée de se réinventer toujours. Et euh, c'est là qu'interviennent euh, en réalité les, euh, les ouvertures vers l'extérieur. C'est-à-dire que euh, d'un côté, euh, puisqu'on parle de design, on pourrait parler de la manière dont aussi il nous faut dessiner des perspectives euh, en fonction des circonstances que l'on rencontre. Comment est-ce qu'on peut dessiner des perspectives collectivement Donc il y a plusieurs éléments euh, dans ma réponse. Le premier, c'est qu'on s'appuie sur des binômes ou des trinômes dans l'équipe. Des gens qui, a priori, euh, se sentent bien ensemble, éprouvent l'envie de euh, produire euh, une idée, euh, un projet euh, ensemble. Donc, c'est vraiment d'abord regarder comment euh, le Philippe évoquait, par exemple, le savoir-être. Ben oui, euh, nous, on recrute euh, les collègues euh, d'abord sur un, une notion de savoir-être qui nous permet ensuite de construire ensemble une démarche autour d'un savoir-faire qui va se développer s'il n'y a pas d'abord un rapport à l'autre simple et direct c'est très compliqué euh, d'accéder à un savoir-faire complexe et d'ailleurs euh, c'est aussi ce que disait Charles tout à l'heure c'est-à-dire que il euh, n'y a pas de doute qu'on se on se départit non c'est Philippe qui disait ça on se départit de nos masques on, on tombe on tombe euh, tout ce qui est euh, en trop, tout ce qui est superflu. On a besoin. Euh, donc, les systèmes de management à l'anglo-saxonne, euh, depuis 50 ans, ont beaucoup développé euh, des procédures, des systèmes complexes pour essayer de mettre la main sur euh, l'esprit humain. Or euh, nous on est exactement dans la démarche inverse. C'est-à-dire qu'on considère que euh, l'esprit humain s'exprime d'abord par sa complexité et dans le fond euh, comment dire ne structure jamais aussi bien sa pensée que quand il est libre, absolument libre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut privilégier dans la démarche du quotidien. Donc, pour le privilégier, il y a notamment l'idée de s'ouvrir à l'extérieur. C'est deuxième chose c'est que cette ouverture, la manière de tracer, euh, de tracer des perspectives, ça ne se fait pas euh, en gardant euh, le regard euh, sur notre nombril. Il faut forcément qu'on sorte vers l'extérieur. Et là, clairement, c'est le rapport à l'art. Euh, l'art et, et les artistes. Et clairement, le rapport de chacun d'entre nous à l'art et aux artistes euh, n'est pas le même. Euh, on ne peut, peut pas donner d'injonction Tu vas, euh, pendant 24 heures, devenir euh, euh, complètement sensible à l'art. Mais on peut procéder comme pour le savoir-faire professionnel, c'est-à-dire on peut multiplier les propositions. Et nous, on est dans une démarche où on multiplie les propositions. Là, en ce moment, par exemple, euh, depuis quelques mois, on accueille l'œuvre d'un artiste qui dessine, euh, qui est prof de dessin, et qui, par ailleurs, est un artiste qui dessine et qui fait des très grands formats, euh, qui font 6 mètres par 3 de, de, de traits de fusain sur du papier. Et euh, le fait de pouvoir aller à la rencontre. Du travail des artistes, de les faire intervenir. Euh, C'est un artiste qui, par ailleurs, produit des performances, qui s'appelle Régent Dorval, euh, et qui euh, euh, vient de sortir un livre chez Actes Sud qui s'appelle Le temps n'existe pas que j'ai co-signé puisque j'ai écrit les textes. Euh, eh bien, Cet artiste, par exemple, euh, nous, nous emmène dans une direction euh, qui est euh, poétique euh, et qui nous extrait en vérité, des problématiques décrites comme étant celles de l'entreprise au quotidien. Et au lieu de faire baisser la productivité, de ralentir l'efficacité de l'entreprise et de dégrader le résultat de la boîte, en fait, ça crée les conditions d'une réflexion collective qui est moins enfermée, moins bloquée, moins contrainte, plus ouverte au monde et qui nous donne la possibilité euh, de découvrir des nouvelles pistes. Je rappelle que euh, je parle d'une entreprise dont le métier principal est menacé de disparition totale par l'arrivée du numérique. Donc on est, on est sous beaucoup de pression. Il faut être au bon prix sur le marché et accepter l'idée que tout notre savoir-faire développé depuis 1928 par plusieurs générations d'ouvriers est en train complètement de disparaître. Donc ce que, ce que les artistes nous aident à faire, c'est à nous projeter dans l'avenir et c'est comme ça en fait qu'on a déployé la diversification des activités de Pocheco qui fait qu'aujourd'hui on est encore là pour en parler on a connu des hauts et des bas et c'est une période chaotique qui dure depuis presque 30 ans mais on a pu s'adapter de façon agile euh, en s'appuyant sur ce qui était devenu nos raisons d'être ne pas détruire ou dégrader la santé humaine, mmh. ne pas détruire ou dégrader l'écologie, garder de la productivité pour rester présent sur le marché malgré les difficultés, malgré le marché en effondrement, et continuer d'imaginer et de se donner les moyens d'inventer la suite. Donc nous, dans notre structure, euh, les choses se font grâce à, 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 à cette démarche collective. Qui, qui est porteuse euh, aussi euh, d'un certain état d'esprit. En fait, je, je pense que Pocheco, euh, c'est un état d'esprit. Euh, il y a bien sûr un objet à l'entreprise, mais c'est un état d'esprit. Parmi les éléments pour donner des, des, des exemples concrets de ce que l'on fait pour essayer de se projeter dans le monde qui s'ouvre à nous aujourd'hui, on appelle beaucoup ça le monde d'après ou le monde de demain. Moi, j'ai assez tendance à penser qu'on y est déjà, que c'est maintenant, que c'est ici, que c'est tout de suite, que c'est déjà depuis de nombreuses années et que c'est maintenant qu'il faut qu'on prenne, le, le, qu'on qu mette l'accélérateur. Donc nous, par exemple, euh, ben on, 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 on s'appuie beaucoup sur des rencontres. Il se trouve que l'usine de Pocheco, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans un petit village qui est mitoyen d'une zone naturelle et il y a la possibilité de développer de l'agriculture en permaculture. Donc on a recruté trois permaculteurs dans l'équipe. Et cette année, on a produit euh, des légumes en permaculture. Mais pour faire ça, il a fallu d'abord analyser les sols. Et on s'est rendu compte que les sols euh, étaient pollués. Donc on a fait appel au CNRS et on a découvert euh, les professeurs Mario Dille-Simono et le professeur Guillaume Echevarria du CNRS de Nancy, qui ont inventé l'agromine, c'est-à-dire la dépollution des sols par les plantes, avec des systèmes de plantes euh, au système racinaire hyperaccumulateur qui hyperaccumulent en fait mmh. les, les métaux lourds et les choses qui polluent le sol pour nettoyer le sol pour régénérer mmh. la nature. Phytorémédiatrice. Phytorémédiatrice mmh. et hyper -accumulatrice. Mmh. Donc ça, ils ont inventé un procédé ensuite pour que tout ce procédé se, se, disparaisse ensuite et qu'on puisse récupérer les métaux lourds, par exemple. Et donc, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et nous, on a décidé de devenir un centre euh, technique de, 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 de test pour ces méthodes de, de travail. Et ensuite, on se lance en permaculture. Avec de l'agroforesterie, de la phénoculture. Ça, c'est l'équipe de, 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 de la permaculture du Héron. C'est Antoine Bocquet notamment, euh, avec Greg et Pierre, qui développent ça. Et ça, c'est tout un axe pour nous de déploiement, parce que comme on est une usine de petite taille dans un village. Euh, dans une zone euh, rurale et urbaine, euh, ça a du sens localement euh, de dire ben on va mettre une part de notre énergie à produire localement euh, des solutions de dépollution et des produits qu'on peut ensuite transformer, euh, vendre et, et, et déguster euh, en s'empoisonnant pas. D'ailleurs, on vient d'obtenir la certification bio. Mmh. Euh, le fait d'accueillir les artistes, c'est par exemple, c'est dans notre salle du Follespoir Espoir, mmh. qui est un lieu euh, où on fait euh, des concerts, euh, venir des artistes qui dessinent, euh, on fait des rencontres de l'économie euh, qui auront lieu les 9 et 10 juin 2021 euh, chez nous et qui sont un moment pendant lequel euh, on monte en puissance progressivement avec des webinaires pendant toute l'année et où le bureau d'études qu'on a créé qu'on a créé parce que c'était une demande des clients qui visitaient Pocheco. On a 3000 personnes qui visitent Pocheco tous les ans. Donc ils ont besoin en fait d'inspiration. C'est ce qu'évoquaient Charles et Philippe. D'ailleurs, Décathlon est venu plusieurs fois euh, passer du temps à cet endroit-là parce que même le lieu est inspirant. Mmh. C'est le lieu est inspirant, les gens sont inspirants et peut-être aussi la rencontre et les circonstances dans lesquelles on se trouve sont inspirantes. Donc, par exemple, le bureau d'études, ça a été tout simplement une, une visite d'un client qui, à la fin de sa visite, nous dit il y a quoi Il y a 10 ans euh, Et si vous me faisiez un pocher cobis Je lui ai dit, moi, dans Astérix, que je connais numéro BIS, mais je ne connais pas poché cobis Donc, on a réfléchi avec Elodie Bia, qui est ma collègue, et Kevin Franco. Et puis, on s'est dit bon, ok, lançons-nous, créons ce bureau d'études, et essayons de créer les conditions de ce, de ce développement. Et toute notre diversification, qui est en train de nous sortir d'affaires aujourd'hui, euh, vient en fait de cet échange, de cette conversation avec le réel. Toutes nos décisions sont d'abord guidées par le fait de ne rien produire qui détruise. Il faut qu'on puisse entreprendre sans détruire dans tous nos actes. Ça, c'est fondamental parce que c'est la source même. Euh, c'est la source même du bien-être dans l'entreprise. C'est-à-dire que si vous faites des choses géniales, mais en utilisant des produits qui détruisent l'environnement, ou qui sont des conditions de travail qui sont destructrices pour la santé humaine, vous ne pouvez pas bien le vivre. Personne n'a envie de détruire la santé de l'autre. Donc, vous ne pouvez pas bien le vivre. Donc, il faut, dans le travail, pouvoir se projeter, y compris dans un produit, dans un service, qui soit non destructif. Donc, nous, on prône la transformation créatrice. En opposition à la destruction créatrice développée par Schumpeter dans les années 50. Et je voudrais juste terminer en disant que euh, on a aussi développé euh, dans cette usine euh, un programme qu'on a appelé le programme zéro déchet. Le programme zéro déchet c'est en fait une nouvelle évolution de notre programme de fabrication d'enveloppes. Comme demain il y aura moins d'enveloppes à fabriquer, on peut fabriquer des sacs et des sachets pour remplacer le plastique. Et donc, on a trouvé une formule avec une recette, grâce à l'analyse du cycle de vie, qui nous permet de sortir aujourd'hui des sachets qui sont zéro déchet. Et quand on pousse le raisonnement et le curseur de ce raisonnement le plus loin possible, ben on a aussi tout changé dans l'usine, de sorte que Pocheco est une usine zéro déchet, en entier, intégralement zéro déchet. Il a pas de déchets industriels souillés, pas de déchets industriels banaux, les DIS et les DIB, pour les gens qui connaissent ça. Euh, C'est une usine qui est autosuffisante en ressources électriques, et qui est aussi zéro fossile, zéro plastique, zéro fissile, donc pas de lien avec l'industrie électronucléaire, et qui est autosuffisante en ressources hydriques industrielles. Ça veut dire que l'eau qu'on reçoit sur la toiture, on la filtre au travers des systèmes vivants de nos toitures. Et on récupère le résidu pour nettoyer les machines avec du savon de Marseille. Et les bouts issus de ce retraitement passent ensuite dans le système racinaire des bambous qu'on a plantés dans... Sur le site, et c'est les bactéries du système racinaire des bambous qui nettoient les os souillés non toxiques que l'on a à nettoyer. Donc, cette usine ne produit aucun déchet. Elle ne détruit pas, elle transforme. Et donc, la transformation créatrice, ça, c'est le fil conducteur pour mes collègues et pour moi, et c'est ce qui nous porte, et probablement, c'est ce qui fait qu'on est encore là pour en parler aujourd'hui, alors qu'on est petit, indépendant et pauvre. C'est tout à fait remarquable comme, comme démonstration de, de, que les choses sont réellement possibles quand on veut les changer. Mais justement, si vous vous adressez à, à tous ceux qui vous écoutent aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, pour dire comment on rend les choses possibles Parce que c'est quand même ça le sujet. Est-ce que euh, tu avais des terrains autour de l'entreprise et tu t'es interrogé en disant ⁇ je vais faire un diagnostic ⁇ comment tu fais ce diagnostic pour après passer à l'action C'est quoi le, le chemin à suivre pour qu'à un moment donné, euh, cette belle énergie à y mettre comme ça, une, une volonté pour être le plus cohérent possible par rapport à, à ce changement et de l'appliquer à soi-même en priorité au sein de l'entreprise Comment on démarre pour que justement quelqu'un, par exemple, qui porte son entreprise et qui se dit ⁇ Mais moi aussi, je vais pas faire du pocheco, mais je vais aussi appliquer une démarche aussi vertueuse ⁇ qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour démarrer Il part de quoi bah, C'est ce que disaient Charles et Philippe tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord laisser et libérer la créativité. En fait, à la base, on part du principe que personne n'a envie de détruire à part peut-être Donald G. Trump. <laughs> euh, peut-être, je connais pas perso, mais... Bon. Euh, euh, généralement, quand tu questionnes euh, ton entourage, euh, sur 100 réponses, il y a quand même 99 personnes qui te disent qu'elles n'ont pas envie d'avoir un effet négatif sur l'environnement. Donc pour réintroduire le... ⁇ Salarié, hein, tu entends, quand dans ton environnement le plus proche. Bah ben ouais. oui. Mais même tes amis. Mmh. Ben, je ne sais pas si vous avez des amis qui vous disent euh, ⁇ ouais, ouais, moi je veux détruire, détruire, détruire ⁇ Je crois pas. Euh, bon, euh, il me semble pas. Donc, assez naturellement, si on lâche notre créativité, euh, euh, on va pouvoir euh, la guider, l'orienter vers des modes euh, non destructeurs. Parce que fondamentalement, ce qu'on est en train de découvrir euh, au XXIe siècle, c'est que notre rapport au vivant et au sensible doit être absolument préservé et complètement réévalué. Moi, je crois profondément, ma, ma, ma manière d'entreprendre aujourd'hui avec mes collègues, c'est une manière qui réintroduit le vivant et le sensible dans l'acte d'entreprendre. Ça, c'est ma réponse pour dire que ça, c'est absolument reproductible. Et c'est le savoir-faire des gens qui ont une passion pour fabriquer des chaises, qui vont réfléchir à l'origine grâce à l'analyse du cycle de vie, donc grâce à des systèmes assez techniques ils vont être capables de définir quelles sont les matières qu'on peut exploiter sans détruire les ressources sans risquer d'engendrer des déchets euh, qu'on pourra ensuite dont on pourra ensuite pas facilement se débarrasser. il faut réfléchir dès la recette du produit ou du service que l'on va rendre à sa totale innocuité. en fait il faut le mettre en priorité et ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, des gens qui ont déjà développé une entreprise, et puis cette entreprise, elle fait, moi j'en sais rien, des, des filtres pour euh, l'automobile. Et ces filtres pour l'automobile sont classiquement fabriqués avec des matières fossiles, du plastique, euh, du pétrole euh, transformé. Bon, eh bien, euh, on ne va pas lui dire, tiens, bah, tu n'as qu'à abandonner ça, et puis passe à autre chose, comme ça, de manière, euh, comme une injonction paradoxale. Mais par contre, on va lui dire, est-ce qu'on peut t'accompagner pour essayer en parallèle de mettre un peu d'argent dans le développement d'un filtre qui serait fondé par exemple sur du lin, du chanvre, des matières qui ne soient pas fossiles et qui deviennent des matières biodégradables. Ça ne règle pas le problème de l'automobile, mais ça règle un problème dans l'industrie de l'automobile. Donc ma conviction, si vous voulez, c'est que euh, ce travail qui s'engage autour de l'économie, et j'ai pu le voir dans le monde entier, parce que nous, on a eu la chance avec le bureau d'études d'accompagner euh, des entreprises dans le monde entier maintenant, dans, on, a, on a accompagné plus de 30 000 salariés dans plus de 100 pays, euh, pour que dans leur entreprise, dans leur travail du quotidien, ils changent un certain nombre de gestes en fonction de l'analyse du cycle de vie pour réduire l'impact de leur activité sur la santé humaine et sur l'environnement. Ça devient prioritaire pour tout le monde. Il faut simplement accepter de se donner le temps et les budgets de, 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 du, du, du changement progressif. Alors, et le changement progressif, on sait tous maintenant qu'on a très peu de temps pour ce changement, mais ce qui compte, c'est d'engager ce mouvement. Euh, je terminerai en disant qu'il y, y a cinq ans, quand j'ai sorti mon premier Économie chez Actes Sud, euh, on avait Pocheco et pas mal de gens euh, autour de nous qui nous disaient Ouais, on est dans la, on est dans la même mouvance, mais on n'était pas encore très fédéré. Et puis depuis cinq ans, c'est incroyable. Euh, nous, nous, à l'heure où je publie le deuxième Économie, il y a 100 entreprises qui sont engagées clairement dans cette démarche-là, plus toutes celles qu'on ne connaît pas. Donc il y a un vrai mouvement, parce que c'est partout sur la planète, il y a des gens qui se préoccupent de ces questions-là euh, très sérieusement. Comment vous réagissez, Charles et Philippe, à ces questions euh, J'ai bien aimé quand on parle d'état d'esprit. En fait, j'ai l'impression que ce qu'on fait, modestement et, et d'une certaine manière, c'est intéressant, cette notion d'échelle. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais on sait que nous, chaque action, elle est énorme finalement, parce que... Dans une telle taille d'entreprise, chaque petite décision, un centimètre de zip sur une veste produit à des millions de quantités, c'est des millions de, de, de centimètres de zip. Et donc, ça, ça a des impacts très forts. Donc, finalement, des fois, je vais même être honnête, personnellement, je peux avoir des, euh, une ambivalence, finalement, d'être comme ça dans la vie et travailler pour une entreprise pour, comme Décathlon. Mais ce n'est pas forcément très grave dans, à partir du moment où je sais que je suis un acteur du changement et que chaque centimètre de zip que je, où je peux avoir une action. Elle est forte finalement. Et, et ça, créer cette bulle d'état d'esprit, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait quand on met des gens dans un chalet comme on le montrait dans l'exemple. Finalement, c'est juste laisser le temps aux gens de réfléchir. Je pense que souvent, quand on time une réunion, on a le risque de couper le fil de la pensée et de ne pas laisser les gens s'exprimer. Et finalement, quand on crée ces bulles de temps, ces moments, cet état d'esprit autour de la réflexion, de philosopher sur des sujets qui sont un peu plus complexes, on crée euh, l'opportunité d'aller loin dans les sujets et potentiellement de se, de se dépasser, d'aller plus loin. Et donc, en faisant cette démarche de, de mettre les gens dans un état d'esprit de création, et finalement, on revient à l'art, nous, enfin, nous, c'est l'art appliqué, mais finalement, c'est une forme d'art. Et on utilise d'ailleurs, suite à l'observation des gens, on, utilise, on observe énormément les les pratiquants de sport, etc. Et le meilleur moyen qu'on trouve pour retranscrire les émotions, les difficultés, etc., c'est de faire des bandes dessinées. Pourquoi Parce que simplement, ça inspire les gens, ça leur permet de comprendre les problématiques. Et finalement, le, le design management, je pense que c'est ça, quand on parle d'usager et le lien, c'est de faire comprendre les problématiques et transformer ça collectivement en solution. Et le collectif ben, en le mettant dans des temps un peu plus longs, on arrive à des choses qui sont super fortes. Et euh, travailler collectivement, c'est loin d'être évident, en fait. C'est quelque chose qui peut demander de l'animation, du temps, et, et nous, c'est ce qu'on aime faire, c'est de mettre les gens autour de la table. On nage, en tout cas, ça c'est ma vision personnelle du design, c'est pas dessiner, c'est plutôt faire converger une multitude de personnes qui peuvent être autour d'une table, autour d'une problématique, avec des compétences, des cerveaux différents, et pour autant arriver à euh, symboliser d'une certaine manière, concrétiser, conceptualiser l'ensemble des idées qui sont autour de la table. Et c'est les faire converger, la, la, le métier du design finalement. Ça ressort beaucoup dans vos discussions, hein, le, le, le potentiel et le capital humain de ce que chacun peut apporter dans le projet. Peut-être tu veux réagir aussi, Charles euh, Oui, il y a quelque chose que, que j'ai observé depuis que je travaille c'est que, euh, en particulier dans les grandes structures, euh, très souvent on n'avance pas. Euh, parce qu'on a euh, des avis divergents sur quelque chose que personne n'a vu c'est à dire on a la machine à café il y a un concept, moi je pense que et moi je ne suis pas d'accord et en fait on s'auto crée des freins sur des trucs qu'on ne connaît pas en fait et, et je pense que ce qui est important pour nous et on parle d'inspiration avec Philippe c'est de dire en fait il y a des idées, donc ces idées on va les matérialiser, on va les rendre concrètes et à partir du moment où elles sont concrètes on peut évaluer leur pertinence ou leur non pertinence et finalement dans la création euh, de l'exemple ou de la maquette euh, ou de euh, du modèle économique on va dire ben voilà si on veut changer de modèle économique alors l'ensemble des conséquences que ça va créer c'est ça et donc voilà à quoi ressemble le service voilà à quoi ressemble le produit donc voilà comment il est conçu et voilà comment il est consommé et d'un coup il y a des yeux qui s'illuminent et qui disent mais en fait ça peut marcher j'y crois maintenant et, et c'est ça notre notre job en fait c'est de euh, euh, d'éclairer les possibles pour que les gens prennent des décisions sur quelque chose qui est concret et pas euh, sur des freins qu'on peut se mettre parfois par peur et donc on prend des positions euh, euh, voilà euh, parce qu'on a peur en fait bien sûr bien sûr euh, ce, que, ce, que, ce qui me semble très pertinent euh, dans ce qu'ils disent euh, c'est qu'en fait le, le design euh, c'est bien sûr euh, Trouver le geste juste par rapport à un produit défini dans une pratique sportive spécifique, on l'imagine, mais ça va bien au-delà aujourd'hui. Aujourd'hui, le design, le dessin, dessiner un produit, dessiner un projet, euh, ne peut plus s'envisager sans euh, la sobriété. Il faut absolument qu'on intègre dans notre démarche le fait de mettre de la sobriété à tous les étages. Alors ça paraît un peu bête de le dire comme ça, mais c'est là que l'analyse du cycle de vie intervient. C'est-à-dire dans les choix des matériaux euh, qui vont venir derrière le design, derrière les produits qui vont être imaginés, le fait que le produit soit par exemple... Euh, démontable, euh, le, le fait qu'on puisse le réparer, euh, le fait que l'on puisse euh, envisager sa biodégradabilité dès sa conception. Pour moi, ça intègre la notion de création, ça intègre la notion de design et ça intègre la notion de réinventer un monde par rapport au, 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 aux informations que les scientifiques nous donnent aujourd'hui et dont on dispose maintenant et dont on ne disposait pas de la même façon il y a seulement dix ans. Aujourd'hui, on parle tout le temps de la question du climat, ça fait deux ans que les médias nous en parlent tout le temps, mais avant, c'était un sujet relativement lointain et un peu tabou. Donc, on est au travail euh, et les créatifs, à mon avis, sont en première ligne pour être au travail, pour inventer maintenant un monde qui s'ajuste à l'épuisement des ressources et à l'accumulation des déchets. Si demain on réduit la longueur du zip, d'un vêtement, comme le disait Philippe, mais qu'on ne se préoccupe pas euh, de ce que deviendra ce vêtement quand en fin de vie il sera un déchet. Si on ne dé, euh, désorganise pas euh, profondément, euh, par exemple, l'obsolescence programmée, euh, bah on va dans le mur en klaxonnant et en accélérant. Donc tout le travail que font les designers aujourd'hui, c'est un travail aussi euh, éthique. L'intégrité de la démarche du designer aujourd'hui, elle est de toucher une éthique qui va, selon moi, privilégier la durabilité, la réparabilité pour lutter contre l'obsolescence programmée et contre l'accumulation de déchets euh, pas biodégradables. C'est quelque chose qui est très présent aussi dans la conception de vos produits Alors le premier, la première chose effectivement, qu'on a faite il y a à peu près 4-5 ans, c'est d'évaluer tous les produits de chez Decathlon. Et donc là, c'est toujours en cours parce qu'il y en a énormément de références, mais c'était la base de la réflexion, c'était de se dire, de se comprendre et de se connaître. Et, et finalement, c'est ça le premier virage qu'on a opéré, c'est de se dire, OK, on va se connaître nous-mêmes, on va savoir où est-ce qu'on peut agir. Et finalement, quand on se pose vraiment la question et quand on va au bout des choses, c'est le business model qu'il faut travailler. C'est pas. Oui, il y a un impact, il faut faire mieux, mais finalement, la réflexion, elle est autour des business models. Et c'est aussi ça qu'on propose quand on travaille. En advanced design, donc finalement c'est les phases avancées. C'est de se projeter sur pratique. En fait, le décathlon, c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre. Mais rendre accessible le sport au plus grand nombre ne veut pas forcément dire vendre des produits. Veut dire faire du sport. Donc le sport, on peut le, le, le pratiquer, le consommer entre guillemets de manière tout à fait différente que juste acheter des produits. Et donc ça, c'est en revenir au sens clairement de l'entreprise et de se poser la question pourquoi on le fait et est ce que quand on regarde le cycle de vie est ce qu'on est sûr que juste changer des zip, ça va faire avoir un vrai impact non ça va avoir un impact momentané mais ça va pas être fondamentalement un game changer c'est un, euh, un mouvement que vous imprimez en fait vous envoyez un signal vous êtes cent mille disait charles vous êtes cent mille à pouvoir changer le business model. Si vous vous fixez des objectifs, en plus, quand vous vous fixez des objectifs dans cette entreprise, vous les tenez. <laughs> Donc vous avez une capacité incroyable euh, à inventer, à changer, à réduire, à rendre la sobriété accessible au plus grand nombre, la recyclabilité accessible au plus grand nombre. Et ça vous charge d'une responsabilité. Dans le fond, en tant qu'entreprise leader, vous avez la responsabilité directe. De réduire l'impact de vos activités sur la santé humaine et sur, euh, sur l'environnement. Il y a 235 000 sites industriels en France, pour rester en France. Si 235 000 sites industriels en France décident d'engager un designer et un ou une technicienne ou un ou une designer et un ou une technicienne de l'analyse du cycle de vie, vous créez 500 000 emplois. Mais vous créez aussi les conditions d'une vraie réforme de l'industrie, d'une vraie réforme de la consommation, d'une vraie réforme de l'utilisation des matières premières et de l'accumulation euh, des déchets. Ce que j'essaye de dire pour terminer, c'est c'est notre responsabilité d'individus, dans nos entreprises, de se saisir de ce moment d'aujourd'hui pour dire il y a une prise de conscience collective. Travaillons là-dessus ensemble. Baissons ensemble euh, le nombre de kilomètres que font les produits d'un bout à l'autre de la planète pour le service d'une consommation qui doit devenir vertueuse. On peut se réinventer collectivement. Moi, je crois profondément à ça. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que Pocheco était en situation d'être sur un marché en effondrement et que ça nous avait, depuis 25 ans, non, pas placé en position de leader, mais placé en position de, de challenger, comment je vais faire pour rester vivant Et donc, on a été obligé de se questionner sur nos façons d'être, nos façons de travailler, euh, et c'est ça qui, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'en accompagner d'autres dans cette démarche qui est super enthousiasmante. Parce que la question environnementale, elle est flippante, mais si on la prend au quotidien dans nos entreprises pour aller changer, profondément euh, notre grille d'évaluation. Disons les mots, la grille d'évaluation, elle a longtemps été le coût le plus bas pour les finances. Aujourd'hui, ça change. C'est le coût le plus bas pour l'écologie, pour la santé humaine. Et c'est complètement à la portée de tous les gens qui bossent dans ces boîtes-là, qui, qui sont des têtes, qui ont des capacités absolument incroyables et qui vont inventer le monde de demain, c'est sûr. Charles. Euh, euh, non, je, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a une action moi, qui m'a marqué chez Técathlon. Il y a un vendeur en magasin, je crois que c'est à Monaco, euh, qui a vu un jour qu'on vendait des bouteilles d'eau. C'est vrai qu'on vendait pas mal de bouteilles d'eau. Et qui s'est dit mais Attendez, les gars, il y a une fontaine, il euh, y a des gourdes. Ben, moi, je décide que j'arrête de vendre des bouteilles d'eau dans mon magasin. Donc maintenant, je vends des gourdes et les gens peuvent les remplir à la fontaine. Euh, et, et je trouve ça, c'est. Euh, intéressant dans la, la, la notion de subsidiarité dont, dont on parlait au début, c'est que ça a permis à ce que des gens soient capables de prendre des décisions qui faisaient sens là où ils sont euh, pour avoir des actions qui leur, qui, qui leur semblaient être les bonnes. Euh, et ça peut être des toutes petites actions, mais quand on les cumule fois 100 000 personnes, en fait, ça transforme vraiment l'empreinte de l'entreprise. Ce que vous réussissez à créer chez Decathlon, c'est ces petites révolutions comme ça, de repenser la manière de faire et de, et de travailler ensemble. Est-ce que comme chez Pocheco, c'est quelque chose que, que vous pouvez transmettre, faire école, vous conseiller d'autres entreprises, vous conseiller les écoles sur, sur comment procéder et comment réussir aussi à, à tirer le meilleur de chaque personne dans une équipe, par exemple comme tu le faisais par exemple chez BMW, où tu conseillais d'autres entreprises pour euh, les accompagner dans leur transformation Oui, alors euh, nous, euh, par définition, euh, on est euh, ouvert euh, à, à toute forme d'échange. Euh, on vient de terminer un projet avec Autodesk, qui était une entreprise de software euh, américaine. Euh, on a euh, travaillé avec euh, euh, Procter Gamble, par exemple, l'année dernière, où. Euh, ils avaient un sujet justement sur la réduction d'impact environnemental et on a, avec plusieurs designers, rejoint leur workshop pour leur apporter notre façon de regarder les choses. Donc euh, nous, on est super, super ouverts à ça. Euh, euh, le principe de mon boulot chez DesignWorks, chez BMW, c'est ce qu'on appelle la cross-fertilisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait croiser des industries qui, a priori, font des choses très différentes, mais en fait, dans l'échange... Euh, on apprend énormément de choses et on fait des transferts technologiques euh, et nous on est vraiment dans cette démarche là et je pense que euh, l'expatriation de Philippe en Inde, euh, on aurait pu la vivre euh, comme une embûche en disant ah Philippe va partir en Inde ça va être compliqué et en fait on s'est dit mais non génial Philippe il va avoir des choses en Inde qui sont différentes, euh, des gens qui euh, consomment le sport de manière différente, des façons de, de régler les problèmes qui sont différentes et ça ça va enrichir notre équipe donc nous euh, euh, on a des, des objectifs dans notre équipe euh, qui sont notre priorité mais chaque opportunité d'ouverture euh, on, on la prend euh, le, le plus possible quoi. je sais pas si tu veux ajouter quelque chose Philippe bah, je trouve que l'exemple que tu voulais donner sur Autodesk il est hyper intéressant parce qu'en fait ils sont venus voir Decathlon parce que en rapport avec notre capacité à évaluer nos produits qu'on a mis en place il y a 5 ans eux ils sont un, un logiciel de 3D et ils ont cette volonté d'intégrer des modules sur l'impact environnemental et comment calculer l'impact environnemental. Nous, on a un savoir-faire. Eux, ils ont un savoir-faire technique sur de la modélisation. Euh, on croise les deux et finalement, on fait un projet ensemble qui est en ce moment exposé et qui, qui va faire... Que perdurer et qui nous fait grandir l'un et l'autre. Donc en fait, on est beaucoup dans cette démarche de. En tout cas, on souhaite le développer encore et encore à travers notre métier où je disais tout à l'heure, on fait converger les idées et les, les énergies. Euh, c'est exactement ça. Et donc, aller chercher les différents savoir-faire chez des spécialistes différents et, euh, et pas du tout y voir de la concurrence, mais plutôt une force, surtout sur des sujets comme le développement durable, c'est une évidence qu'il faut travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Est-ce que vous pensez, euh, les uns et les autres, qu'une qu entreprise, pour qu'elle décide de faire le pas de se transformer, elle doit être acculée à, euh, à une difficulté, être en mode survie et, et, et devoir absolument euh, passer le cap, malheureusement euh... Est-ce que c'est un, lev... est -ce est un des leviers de cette transformation ou est-ce qu'il y en a d'autres bah, euh, Caroline, oui. Il y a, a l'instinct de survie. L'instinct de survie, euh, il nous guide. Et donc on décide euh, à un moment donné qu'on ne veut pas euh, de la fatalité, de l'effondrement. Donc on essaye de se réinventer. C'est certainement un moteur, mais ça ne peut pas être le seul. Parce que moi, je ne crois pas du tout qu'on se renforce dans l'anxiété. Donc c'est pour ça, par exemple, que chez nous, on est plus dans la coopération que dans la compétition, plus dans la bienveillance que dans la, la brutalité, parce que c'est vachement important que pour se libérer l'esprit, pour pouvoir créer des solutions innovantes, il faut quand même avoir un relatif, une relative sérénité, je dirais. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'il disait aussi. Euh, ce qui me semble qui, qui apparaît, dans, que j'entends, c'est le fait qu'on est en train de comprendre qu'il faut qu'on décloisonne énormément. Le métier du design, aujourd'hui, c'est multifactoriel. Et il me semble que le facteur du design qui va aller chercher, par l'analyse du cycle de vie, j'y reviens, des produits non toxiques pour l'environnement, même en fin de vie, c'est quelque chose qui va aussi libérer des capacités de production nouvelles, euh, et on va progressivement changer profondément euh, les règles. Euh, le coton, euh, aujourd'hui, a asséché la mer d'Aral. Euh, c'est le coton qui est le premier euh, utilisateur de pesticides dans le monde avant tout le reste. Bon, donc si on apprend à, à, à faire massivement appel à des produits différents, du lin, du chanvre, du coton bio, sur des, sur des exploitations plus petites et mieux réparties partout sur la planète, les conditions de travail vont évoluer et les conditions d'exploitation vont évoluer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout changer et tout foutre par terre. Mais il faut réinventer ponctuellement et par branche tout ce qu'aujourd'hui on constate qui dysfonctionne. Donc il faut être super pragmatique. Ce n'est pas un truc dogmatique, c'est un truc pragmatique. Si mon produit n'est pas vertueux par rapport à la question de la santé humaine ou de l'environnement, ben je me donne quelques mois pour inventer le produit de remplacement. Et là, en décloisonnant. On arrive à des miracles parce qu'on change. Nous, enfin, nous c'est peut-être une petite entreprise, mais dans le fond, même dans un groupe de 100 000, il y a combien de groupes de 63 personnes En fait, c'est une question de sous-groupes. Et donc, la détermination qui est la nôtre, elle peut être reproduite dans des structures bien plus importantes. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le choix individuel et l'engagement personnel aussi, et de l'équipe et de l'état-major, l'engagement, quels objectifs on se fixe ça, ça, on peut l'en décider dans nos entreprises, nous les salariés, euh, indi indépendamment, euh, indépendamment de tout le reste. Donc décloisonner et concevoir le design comme multifactoriel et permettant d'intervenir à la source sur euh, des recettes euh, moins toxiques et, et, et moins problématiques euh, euh, sur le plan de l'environnement et de la santé humaine. Et puis aussi en divisant le problème, hein, dans ce que tu décris, euh, c'est chaque petit maillon de l'entreprise et, et de ce qui compose l'entreprise qui est traité. Ce n'est pas un ensemble. Et là, on ne sait plus très bien par quoi commencer. Bien sûr. Charles. Oui, moi, ce que je voulais ajouter, euh, c'est que euh, chez Decathlon, euh, nous, on n'était pas euh, acculé. Euh, c'est une, une entreprise qui va bien. Euh, en tout cas, on n'était pas acculé économiquement, mais par contre, on peut considérer qu'on est acculé philosophiquement. Et quand on est dans une boîte euh, qui fabrique un milliard de produits euh, par an, je pense que dans les équipes, on a envie d'engager la transformation et donc... Euh, euh, c'est pas parce que. Enfin, on n'a pas besoin d'aller mal pour avoir envie de se transformer euh, économiquement. Il y a plein d'autres facteurs. Je pense que. Euh, on en a parlé au début, mais le facteur humain, euh, qui on est et quelles sont nos convictions, euh, ce sont des moteurs de changement quand bien même une entreprise va bien. Euh, et c'est pas parce qu'on gagne de l'argent euh, qu'on n'a pas envie de tout changer. Euh, et donc, euh, c'est en ça que nous, on, on décrit euh, notre rôle euh, dans montrer le possible. Et je pense que c'est. Des fois difficile dans une entreprise qui va bien, de montrer qu'on peut continuer d'aller bien en faisant différemment. C'est ça le challenge qu'on a aujourd'hui. C'est aussi ce que vous présentez au Tripostal. Aujourd'hui, jusqu'au 15 novembre, il y a un espace dédié à Advanced Design que vous avez mis en scène. Et on peut venir rencontrer les designers de Decathlon dans cet espace pour mieux comprendre la manière dont vous travaillez. Qu'est-ce que vous présentez précisément alors en fait c'est un travail qu'on a fait en collectif avec presque 200 personnes de l'entreprise donc c'est un boulot qu'on a piloté avec l'advance mais qui est très inclusif. Euh, et c'est une euh, forme de modélisation euh, de l'avenir, ou en tout cas d'une possibilité. Euh, et donc on a choisi six sportifs euh, pour créer six expériences sportives dans lesquelles on a voulu euh, euh, montrer des façons différentes de rendre accessible le sport au plus grand nombre. Et donc euh, on a travaillé sur euh, des modèles économiques différents, des façons de fabriquer différents. Euh, sur l'expérience 360, euh, comment est-ce qu'on va chercher... Euh, euh, le départ de l'histoire avec un sportif euh, très en amont, euh, et, et pas par du commerce, mais par quelque chose de plus profond. Euh, et puis, euh, euh, plein de idées, euh, certaines où on pense qu'on a la réponse demain matin, certaines où on sait que c'est très lointain et ça demandera beaucoup d'énergie de le faire, mais c'est une proposition de faire différemment sur ces expériences sportives qu'on avait envie de partager avec le public. Euh, avec nos équipes aussi, parce que tout le monde ne connaît pas les designers chez Decathlon. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un partage sur euh, la thématique de euh, Et on fait quoi demain Formidable. On écoutera aussi Emerson Delcourt, qui est euh, un des leaders du design chez Decathlon, qui présentera ce soir euh, à 17h30 une conférence sur l'entreprise, euh, aussi au Tripostal. Donc, c'est aussi l'occasion de venir découvrir l'exposition. Le, Est-ce que vous voulez euh, ajouter un petit mot pour conclure ou une question que vous avez l'un envers l'autre, ou on s'arrête sur ces belles paroles positives, quand même, qui donnent beaucoup d'espoir en l'avenir En tout cas, c'était un plaisir de faire ce moment, et en tout cas, moi, ça m'a donné envie de, de travailler ensemble sur, sur bah, justement des processus créatifs et d'ouvrir de, de, des champs différents, parce que j'ai entendu des choses qui m'ont donné envie euh, sur faire de l'agriculture pendant, pendant un de nos workshops. Je trouverais ça hyper intéressant de, de se laisser le temps de regarder les choses pousser, d'en discuter, de poser des vraies questions profondes. Encore une fois, je reviens sur la notion du temps. Et je pense que laisser le temps à la réflexion, pas la couper, c'est une clé pour réussir à faire les choses bien. Donc, c'est le genre de choses. Si le World Forum peut être à l'origine d'un lien nouveau qui va se créer autour de la permaculture entre les deux entreprises, c'est formidable. Oui, oui, merci de ces mots. Qui me vont droit au cœur et qui vont droit au cœur de mon équipe. Vous êtes toujours les bienvenus chez nous. Il y a le bureau d'études ouvert qui accompagne partout dans le monde des entreprises et des équipes, surtout des gens qui ont envie de faire ce changement qu'on appelle tous de nos voeux et de le mettre en œuvre de manière pratique, pragmatique, ici et maintenant. Un très grand, très, très grand merci à tous les trois.